Mesdames, messieurs et robots de tous les âges, êtes-vous prêts à flipper les burgers? Attends un peu, le gars qui a fait la traduction a vraiment aucune idée de ce qu'on fait, hein? Peu importe, c'est l'heure de Flip 2020! The CRC decided that a game changer was in order this year, so we made the goal of the game simple. All you have to do is get as many pieces into your team's budget as possible. There are no multipliers, and your score is whatever is in your team's budget at the end of the heat. Ça semble trop beau pour être vrai? Vous avez raison, il y a une pogne. Les robots n'ont pas le droit de toucher les pièces de jeu, vous avez bien compris. Des poches de sable tomberont sur le convoyeur à intervalles réguliers. À une extrémité du convoyeur se trouve le bac des bleus, et à l'autre extrémité celui des jaunes. Au début de la partie, le convoyeur est immobile. Le premier robot qui touche sa plaque articulée à l'autre bout du terrain de jeu fera partir le convoyeur dans la direction de son équipe. Pilote, allumez vos moteurs et que le meilleur gagne! Following so far? Good, just here's where it gets interesting. The conveyor belt will automatically flip directions. To take full advantage of your time, called a conveyor period, each team will have access to actuators that will activate power-ups. The wrecking ball temporarily increases the plane piece drop rate. To activate it, the ball must be hit with enough force and precision to trigger the pressure plate. But watch out, what goes around comes around. Les champignons activent temporairement un bonus de vitesse du convoyeur. Le plus loin permet une augmentation plus importante que le plus près. La tornade permet d'arrêter le convoyeur pendant un bref instant, permettant aux pièces de s'accumuler. Les équipes doivent amener la tornade perpendiculairement au convoyeur pour un certain temps de façon ininterrompue pour activer ce bonus. La zone marquée au sol est à pénétrer à vos risques et périls. Par contre, gardez en tête que toute tentative d'endommager intentionnellement un autre robot sera sanctionnée d'une pénalité de mauvaise conduite. On n'est quand même pas à BattleBot. Remember the hinged plates? A minute after they've been used to start the conveyor, they can also be used one more time by each team in order to immediately flip the direction of the belt. Finally, with so many possibilities for potential power-ups, we've decided to let you choose the last power-up out of the following three. Decrease the plane piece drop rate. Decrease the conveyor belt speed. Drop a special high-value black bean bag onto the conveyor belt. So which one will it be? Well, the choice will be yours. Before each game, each team will choose their personalized power-up. Le chariot doit être amené à l'une ou l'autre des extrémités de l'arche pour activer votre bonus personnalisé. Puis, pour le réactiver, vous devez l'amener de l'autre côté. Faites attention. Bien qu'il n'y ait pas de limite de hauteur pour le robot, assurez-vous de vous pouvoir faire du limbo si nécessaire. Pour finir, chaque actuateur a ce qu'on appelle un temps de recharge, donc vous devrez attendre un peu avant de les réactiver. Une lumière sur chacun d'eux permet d'indiquer son état. Robots can go anywhere on the field, but teams can only activate their own actuators, as well as the twister, which is common to both teams. Be careful though, because some actuators can benefit the other team more than your own if you don't time them properly. Des questions? Ne vous inquiétez pas. Consultez le livret complet des règlements au robots-crc.ca. On a hâte de vous voir à la compétition. On va se faire un méchant barbecue. Ah, t'es sérieux là? Encore l'histoire des burgers?